Triste de constater que la crème importée gagne de plus en plus de terrain en Afrique. Nous avons initié une campagne massive de fabrication de la crème scolaire à travers l'Afrique. Nous invitons les jeunes de tous les pays d'Afrique de se mobiliser et de s'inscrire à la campagne de fabrication de la crème scolaire initiée par nous. Je vous invite à vous adresser à cette campagne de fabrication de la crème scolaire afin que nous puissions ensemble repousser ces importations de la crème scolaire en Afrique. Vous pouvez vous adresser par sur le numéro WhatsApp affiché à l'écran pour apprendre à fabriquer de la crème scolaire. La crème scolaire, vous pouvez la fabriquer pour vous-même à la maison, ou pour vous la fabriquer pour la commercialisation, ou pour faire de cela une entreprise. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment vous pouvez fabriquer vos propres moules à partir des matériaux recyclés pour fabriquer votre crème scolaire. Nous avons aussi vu comment vous pouvez fabriquer la crème scolaire commercialisable à partir des moules. Au programme de notre formation, nous aurons d'abord les lubrifiants utilisés. Nous vous proposerons trois types de lubrifiants et nous vous dirons quel est le lubrifiant le plus adapté à notre utilisation. Nous allons explorer tous les intrants à la fabrication de nos crèmes scolaires, notamment le plâtre qui est la matière de base principale à la fabrication de notre crème scolaire. Vous verrez qu'il y a plusieurs types de plâtre et un seul type est approprié à la fabrication de nos crèmes scolaires et sa conservation est très délicate et il faudra l'utiliser à une certaine température donnée. Nous aurons au cours de notre formation, nous allons explorer le domaine des moules. Quel est le meilleur moule dans le cadre de la commercialisation? Nous verrons enfin de notre formation quelle est la méthode la plus appropriée pour le séchage de nos crèmes scolaires. Et enfin, nous aurons une méthode que je vais vous enseigner à fabriquer votre propre séchoir à partir des matériaux recyclés tels que le frigo. À partir de votre frigo qui est hors usage, vous pouvez fabriquer votre séchoir qui vous permettra de sécher vos craies afin de ne pas dépendre du soleil. Hormis le séchage de vos craies à partir de ce frigo, vous pouvez aussi utiliser le frigo dans votre quotidien, dans le cadre de la conservation de vos aliments tels que les légumes, sécher vos légumes, sécher vos fruits afin de les utiliser le plus longtemps possible. Donc, je vous invite à vous enregistrer à cette formation afin d'améliorer cette formation. Merci et à bientôt sur une nouvelle vidéo.